Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2023. Année de l'édification, année de l'onction, année de la conquête du Saint-Héritage. Tout un programme que le Seigneur nous donne pour vivre une année bénie, une année marquée par son intervention. Pour activer sa puissance, autrement dit, voir vos prières exaucées, il va falloir être enseigné. Et il va falloir surtout pouvoir mettre cette parole en pratique, cette connaissance. Eh bien, nous serons là, le CRC International et le pasteur David Goma ainsi que moi-même, pour vous accompagner tout au long de cette année par des enseignements, par des séminaires, par des conférences qui bouleverseront votre vie. 2023 vient pour vous comme un calendrier de bénédictions que Dieu veut accomplir en votre faveur. Mais le plus important, c'est de bannir la peur, quelles que soient les épreuves que vous pouvez traverser au long de cette année 2023. Et oui, rappelez-vous, quand Jésus disait à ses disciples « Allons de l'autre bord », il savait qu'ils iraient effectivement de l'autre côté. Eh bien, ce n'est pas qu'une tempête ne peut pas se lever en cours de route. Comme aussi, dans votre vie, une tempête, une épreuve peut se manifester au cours de cette année. Mais ce qui est important, c'est que vous puissiez garder la foi, que vous bannissiez la peur et que vous gardiez les yeux fixés sur le Seigneur qui saura utiliser votre foi pour manifester sa puissance. Il pourra vous délivrer quelle que soit l'épreuve et non seulement vous, mais aussi vos proches, ceux qui vous sont chers. Ce qui est important, c'est que votre foi sera la clé qui vous permettra de renverser votre situation. Car rappelez-vous, la parole le déclare, tout est possible à celui qui croit. Alors aujourd'hui, je vous le dis encore, mes amis, excellente année 2023.